Gloire à Dieu, je crois que tout va bien par la grâce de Dieu. Glory to God, I believe everything is well by God's grace. Et nous jouissons tous de bénédictions de notre Seigneur et de ses faveurs. And we are all rejoicing from God's blessing for his mercies. Et merci d'être connectés. And thank you for being connected. Et je crois que nous sommes au bon endroit. I believe that we are at the right place. Où nous sommes tous connectés avec le ciel. Where we are all connected with heaven. Et que Dieu te bénisse de ta présence. May God bless you for your presence. Amen. 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 Donc nous continuons avec notre étude sur les livres d'Apocalypse. We carry on with our teaching in the book of Revelation. Et le dimanche passé, and last Sunday, nous avions parlé we talked about de la deuxième partie de la grande tribulation. The second part of the great tribulation. Et dans notre étude du livre d'Apocalypse, and in our study in the book of Revelation, nous pouvons faire une répartition en six parties. We can divide it in six parts. À part les trois premiers versets, pardon, à part les trois premiers chapitres. Besides the three third chapters. Où Jésus-Christ mettait son église où Jésus-Christ disait à son église de pouvoir se préparer. Where Jesus Christ was asking his church to get ready. Et nous n'avions pas inclus cette partie. We did not include that part. Dans les six parties dont je parle sont. The six parts that I'm talking about are. L'enlèvement de l'église. The church's rapture. Dont nous avons déjà parlé. That we've already talked about. La première partie de la grande tribulation. The first part of the great tribulation. Dont nous avions déjà parlé. That we've already talked about. Et la deuxième partie de la grande tribulation. And the second part of the great tribulation. Et il nous reste encore trois points. We have three more points to deal with. Le quatrième point. And the fourth point. C'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Is the coming of Jesus Christ back on earth. Et le cinquième point. And the fifth part. C'est le royaume millénaire et le grand jugement. In the millennium kingdom and the great judgment. Et le dernier point, le sixième. And the sixth and last part. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. The new heaven and the new earth. Je ne suis pas entré dans le moindre détail. I'm not going into all the little details. Sinon, ça risque de nous prendre 2 mois. Otherwise, it will take us months. Comme je le disais dernièrement. As I was saying last time. À l'église des maisons. In the house group. Nous sommes entrés dans le moindre détail. We looked at every little detail. Mais là, je suis en train de donner juste le point essentiel. But here, I'm talking about important points. Je ne dis pas que ce qu'on laisse tomber n'est pas essentiel. I'm not saying that what we don't talk about is not important. Mais je suis peut-être pour dire que je suis en train de toucher juste, comment je peux dire, une généralité. But I'm just talking about it generally. Alors, en titre de rappel, comme je venais de le dire tout à l'heure. As a reminder, as I was saying earlier. Donc pendant la première partie de la grande tribulation, during the first part of the great tribulation, le 144 000 juifs, the 144,000 Jewish, qui étaient marqués du sceau, who were sealed, signe de l'appartenance à Christ, sign of their belonging to Christ, annonceront la bonne nouvelle. Will announce or will proclaim the good news. Et gagneront les âmes à Christ. And will win souls to Christ. Et tous. And all. Et les 144 000 évangélistes.
Together with the 144,000 evangelists, et ceux qui seront gagnés à Christ pendant cette période, and those who will be won to Christ during that time, ils seront tous tués par les agents du diable. They will all be killed by the devil's agents. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. That's what the word of God tells us. Et après leur mort, and after their death, ils seront ressuscités. They will rise again et monter au ciel. And they will go to heaven. Alors, pendant la deuxième partie de la grande tribulation, during the second part of the great tribulation, les deux témoins, the two witnesses, les deux oliviers et les deux chandeliers, the two olive trees and the two lampstands, que nous avions identifiés comme Moïse et Élie, that we identified as Moses and Elijah, annonceront aussi la bonne nouvelle. We'll also announce the kingdom, the good news. Et finalement, and finally, ils seront vaincus, they will be conquered, et tués par la bête, and killed by the beast, qui montera de l'abîme, who will come out of the pit. L'abîme, the dark place. L'abîme, je crois que abyss, quelque chose comme ça, A B Y double S. I don't know how do you pronounce that in English. Abyss. Voilà. Donc l'abîme. Abyss. C'est la demeure de démons. Is where the devil resides. Le lieu où se trouve le mort sans Christ, ou le lieu où est gardé les esprits de mort sans Christ. Is where the dead without Christ are kept. Le lieu où est gardé les esprits de mort sans Christ. This is a place where the spirit of death, the ones who died without Christ, are kept. Voilà, c'est aussi reconnu comme un lieu de tourment. Is also known as a place of torment. Donc nous pouvons lire ces versets pour confirmer cela. We can read that verse to confirm it. Luc chapitre 8 versets 30 et 31. Luke chapter 8 verses 30 to 31. Luc chapitre 8 versets 30 et 31. Luke chapter 8 verses 30 to 31. Jesus asked him, "What is your name?" The man answered, "Legion." He said this because his name meant he had many demons in him. The demons begged Jesus not to send him into the abyss. Amen. Amen. Donc Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Amen. Amen. Donc c'est pour confirmer que l'abîme est la demeure de démons. This is to confirm that abyss is where the demons reside. Donc nous lisons aussi toujours dans Luc chapitre 16 versets 22 et 23. Let's also read Luke chapter 16, 22 to 23. C'est l'histoire du pauvre Lazare et du riche. This is the story of the poor man Lazarus and the rich man. Pour mieux comprendre cette histoire, autant les lire tout le chapitre, mais nous n'avons pas le temps maintenant. You can go and read the whole chapter at home because we don't have the time to read it all now. Je disais que Luc chapitre 16 versets 22 et 23. Luke chapter 16 verses 22 to 23. Later Lazarus died. The angels took Lazarus and placed him in the arms of Abraham. The rich man died too and was buried. But he was sent to where the dead were and had much pain. The rich man saw Abraham far away with Lazarus in his arms. Voilà, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux
Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, c'est pour confirmer. This is confirmed that que l'abîme, the abyss, c'est la demeure des démons, is where the demons reside. C'est le lieu où se trouvent les esprits de mort qui sont morts sans Jésus. Is the place where spirit of death, the ones who died without Jesus, resides. Et c'est aussi un lieu de tourment. And it's also a place of torment. Alors, so, après la mort de ces deux témoins, after the death of the two witnesses, dans ça nous sommes dans la deuxième partie de la grande tribulation. This is the second part of the great tribulation. Donc après la mort de ces deux témoins, after the death of those two witnesses, ils seront aussi ressuscités, they will also rise, monter au ciel, go to heaven, pour rejoindre l'Église, to join the church, et le martyr de la première partie de la grande tribulation. And the martyrs of the first part of the great tribulation. Afin de prendre part aux noces de l'agneau. In order to take part in the feast of the lamb. Donc ça, nous pouvons lire Apocalypse chapitre 11, versets 7 à 12. We can read that in Revelation chapter 11, verses 7 to 12. Apocalypse, oui, chapitre 11, versets 7 à 12. Revelation, chapter 11, verses 7 to 12. When the two witnesses have finished telling their message, the beast will fight against them. This is the beast that comes up from the bottomless pit. He will defeat them and kill them. The bodies of the two witnesses will lie in the street of the great city. This city is named Sodom and Egypt. These names of the city have a special meaning. It is the city where the Lord was killed. Men from every race of people, tribe, language, and nations will look at the bodies of the two witnesses for 3.5 days. They will refuse to bury them. People who live in the earth will be happy because these two are dead. They will have parties and send each other. They will do these things because these two prophets brought much suffering to those who live on the earth. But after 3.5 days, God put the breath of life into two prophets again. They stood on their feet. Everyone who saw them was filled with fear. The two prophets heard a loud voice from heaven say, "Come up here." And they went into the heaven with a cloud. Their enemies watched them go. Apocalypse, merci Tabitha. Apocalypse 11, 7 à 12, nous lisons en français. Thank you, Tabitha. Quand ils auront achever leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Je vais m'arrêter là-bas, ouvrir une parenthèse avant de continuer. I'm going to stop there to open a bracket before carrying on. Parce que quand vous lisez ici Sodome et Égypte, because when you read here Sodom and Egypt, et si vous ne lisez pas dans la suite, if you don't read what comes next, vous pouvez croire que you might think that le cadavre de ces deux témoins, the dead bodies of those two witnesses, se fera dans la ville de Sodome ou dans la ville d'Égypte. Will happen in Sodom or Egypt. Mais ce n'est pas ça. But that's not it. Parce que quand nous lisons la Bible, because when we read the Bible, nous devons prendre en compte chaque mot. We must take into account every word. Donc ici la Bible dit ceci. Here the Bible says, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. The dead bodies will be put in the place of the great town, qui est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte, which is called in the spiritual meaning Sodom and Egypt.
là même où leur Seigneur a été crucifié. Where the Lord was crucified. Donc, quand tu lis cette dernière partie, when you read this last part, donc tu comprendras qu'il ne s'agit pas du pays d'Égypte ou de Sodom. You will understand that it's not about Egypt or Sodom. Mais il s'agit de la ville où Jésus a été crucifié, dont Jérusalem. But it talks about the city where Jesus was crucified, which is Jerusalem. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous aider à comprendre ce langage spirituel. It was just a bracket to help you understand the spiritual language. Et je continue la lecture du verset 9 à 12. I carry on the reading from the 9th to the 12th verse. Des hommes d'entre le peuple, le tribu, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront de présent les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. J'ouvre une parenthèse là. Let me open another bracket here. Le peuple se réjouira. The people will rejoice. Parce que l'Antichrist va leur mentir que non, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui le vrai Dieu. Because the Antichrist will fool them saying that he is the true God. Et alors le témoignage de ces deux témoins paraîtrait comme un dérangement aux ennemis de Dieu. And those two witnesses' testimonies will seem like a torment to God's enemies. Alors après leur mort, ils vont se réjouir à ces gens nous tourmenter. After their death, they will rejoice saying that these people were tormenting us. Et ces gens s'opposaient à notre Dieu, l'Antichrist, qu'ils croiront que c'est Dieu ou bien c'est Christ. And that these people were opposing our God, whom they thought the Antichrist was. Et ils se réjouiront, ils s'enverraient même des cadeaux. They will rejoice and even send each other presents. Ils se réjouiront du fait que ces deux témoins sont morts. They will rejoice for the fact that those two witnesses are dead. Alors le verset 11 et 12. Verses 11 to 12. Après les 3 jours et demi, after un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. Amen. Amen. Donc, je voulais qu'on confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. I wanted to confirm what I said earlier. Que ces deux témoins seront mis à mort. Those two witnesses will be put to death. Ils le ressusciteront. And they will rise again. Et monteront au ciel. And will go to heaven. Pour rejoindre l'Église qui sera déjà au ciel à ce moment-là. To join the church which will already be in heaven. Y compris le martyr de la première partie de la grande tribulation. As well as the martyrs of the first part of the great tribulation. Pour prendre part aux noces de l'agneau. To take part to the Lamb's feast. Nous prenons aussi, nous lisons Apocalypse chapitre 19, versets 4 et 9. Let's also read Revelation. Pardon, 4 et 9, s'il vous plaît. Apocalypse 19, versets 4 et 9. Revelation chapter 19, verses 4 to 9. Then the 24 elders and the 4 living things bowed down. They worship God who sits on the throne. They said, Amen, Hallelujah. Then a voice came from the throne. Praise our God, all you who serve him. Praise our God, all you who honor him, both small and great. Then I heard what sounded like great of many people. It sounded like the noise of flooding water and like loud thunder. The people were saying, Hallelujah, our Lord God rules. He is all powerful. Let us rejoice and be happy and give God glory.
Give God glory because he is the wedding of the Lamb has come, and the Lamb's bride has made herself ready. Fine linen was given unto the bride for her to wear. The linen was bright and clean. The linen means the good things done by God's holy people. Then the angel said to me, write this. Those who are invited to the wedding meal of the Lamb are happy. Then the angel said, these are the true words of God. Voilà. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône et disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux. Et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais, voilà, nous nous arrêtons là, c'était au verset, jusqu'au verset 9. Donc, pour vous confirmer, we stop at the ninth verse. This is les noces de l'agneau qui se passera dans le ciel. The wedding of the feast of the Lamb, which will happen in heaven. Parce que comme je l'ai toujours dit, je le dirai. As I always said, and I've always said, tout ce que nous disons doit être puisé de la parole de Dieu. Everything we say comes from the word of God. Parce que si vous rejetez cela, c'est la parole de Dieu que vous aurez rejetée. Because if you reject it, it means you are rejecting the word of God. Et cette même parole nous dit ceci. And that same word of God says this. Et celui qui rejette la parole de Dieu, that he who rejects the word of God, ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même. Not only he rejects a man, but he rejects God himself. Donc nous devons accepter la parole de Dieu. We must accept the word of God. Nous devons considérer la parole de Dieu. We must take the word of God into consideration. Et nous devons mettre cette parole en pratique. And we must put it into practice. Alors, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 11. We read Revelation chapter 11. Au verset 7. Verse 7. La Bible nous a parlé d'une bête qui montait de l'abîme. The Bible was telling us about the beast who was coming from the pit. Et qui a tué ces deux témoins fidèles. And who killed the two faithful witnesses. Dont la Bible nous parle de plusieurs bêtes. The Bible is telling us about so many beasts. Et je crois qu'il nous parle particulièrement de trois bêtes. And I believe the Bible is talking about three beasts in particular. Dont la première bête. The first beast. C'est celle que nous venons de voir dans Apocalypse 11, 7. It's the one we just read in Revelation 11, 7. Qui est montée de l'abîme. Which came from the bottomless pit. Et qui a tué les deux témoins. And who killed the two witnesses. Et la deuxième bête. And the second beast. Est décrit dans Apocalypse 13, 1 à 8. Is described in Revelation chapter 13, verses 1 to 8. Then I saw a beast coming up from the sea. It had horns and seven heads. There was a crown on each horn. A name against God was written on each head. This beast looked like a leopard, with feet like a bear's feet. It had a mouth like a lion's mouth. The dragon gave the beast all of its power and its throne and great authority. One of the heads of the beast looked as if it had been wounded and killed, but this death wound was healed. The whole world was amazed and followed by the beast. People worshipped the dragon because he had given his power to the beast,
but they also worship the beast. They ask, who is as powerful as the beast? Who can make war against him? The beast was allowed to speak proud words and words against God. He was allowed to use his power for 42 months. He used his power to speak against God. He spoke against God's name, against the place where God lives, and against all those who had lived in heaven. He was given power to make war against God's holy people and defeat them. He was given power over every tribe, people, language, and nation. All who live on earth will worship the beast. These are all the people since the beginning of the world whose names are not written in the Lamb's Book of Life. The Lamb is the one who was killed. If anyone hears, he shall listen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes de noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et sa grande autorité. Donc le dragon ici, il s'agit de Satan. The dragon here is Satan. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Je m'arrête là d'abord pour expliquer quelque chose. Let me stop here to explain something. Le diable est un menteur et le père même du mensonge. The devil is a liar and he is the father of lies. De les temps anciens, since the old times, il a toujours cherché à concurrencer Dieu. He's always wanted to match God. Rappelez-vous des 10 plaies en Égypte. Remember the 10 plagues in Egypt. Et quand Moïse faisait un miracle, when Moses was performing one miracle, le magicien de Pharaon aussi en faisait de même. So did Pharaoh's magicians. Mais pour voir que Dieu est Dieu, il est le Tout-Puissant. But to prove that God is God and He is the Almighty, Dieu avait opéré un dernier miracle. He performed a final miracle. Que le magicien de Pharaon, that Pharaoh's magicians, n'était plus en mesure de le faire. Could not do so. Donc c'était la mort de tout le premier-né des Égyptiens. It's the death of all of Egyptians' face bones. Et que le magicien de Pharaon n'ont pas pu faire, n'ont pas pu réussir. And Pharaoh's magicians could not do the same. A tué tout le premier-né d'Israël. To kill all the face bones of Israel. Donc ce que nous voyons aussi dans Apocalypse. What we are seeing in Revelations. Les 144 000 Juifs. The 144,000 Jewish, et ceux qui avaient aussi donné leur vie à Christ, as well as those who gave their lives to Christ, pendant la première partie de la grande tribulation, during the first part of the great revelation, étaient ressuscités et montés au ciel, rose and went to heaven, et ensuite aussi ces deux témoins, and afterwards those two witnesses, qui était mort, who died, était aussi ressuscité et monté au ciel. Also rose and went to heaven. Alors maintenant, la bête semble aussi faire de miracles. So now the beast is also trying to perform miracles. Pour faire croire à ses adeptes que c'est lui qui est celui qui va régner éternellement sur la terre. To prove to his followers that he will reign forever on earth. Donc le miracle aussi, c'est ce que nous venons de voir dans Apocalypse 13, verset 3. So the miracles are what we've just seen in Revelation chapter 13, verse 3. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. And I saw one of the heads of the beast seem to be wounded beyond recovery, but the fatal wound was healed. Le diable est spécialiste en contrefaçon. The devil is a copycat specialist.
Et l'essentiel, ce n'est pas le miracle. And the importance is not a miracle. Mais le plus important, c'est la source du miracle. But the most important thing is where the miracle comes from. Parce que le diable aussi est spécialiste en miracles. Because the devil is also a specialist or an expert in miracles. Je continue la lecture. I carry on reading. Et je suis au verset 3. I'm on the third verse. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de paroles arrogantes et de blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous vous rappelez encore de 42 mois? Yeah. Do you remember the 42 months? Yeah. Yes. Le 42 mois était égal à 3 ans et demi. The 42 months equals 3.5 years. Donc, où la bête et les dragons vont opérer de miracles et de prodiges pendant cette période. Where the beast and the dragon will perform miracles during that time. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit de le fondement du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène... Oui, voilà, on s'arrête là-bas. Alors, je vais expliquer le verset 9 qui peut peut-être vous amener des questions. Let me explain the 9th verse, which could probably bring raise questions. Disons 8 et 9. 8 and 9. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. And all. Sorry. Ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. And all the language and nation, and all the people who belong to this world worship the beast. They are the ones whose names were not written in the book of life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made. On peut bien se poser la question. We can ask questions. Comment est-ce que le nom des élus? How come the name of those who were chosen? Ont été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau. Were written since before the world was made in the book of the Lamb. Donc Jésus-Christ est le créateur. Jesus Christ is the creator. Jésus-Christ connaît et connaissait. Jesus Christ knows and knew. Ceux qui donneraient leur vie à lui qui vont marcher dans l'obéissance. Those who would give their lives to him and those who would walk in obedience. Et qui auront endurci leur cœur jusqu'à son retour. And who, those who will harden their hearts until his return. Donc voilà, c'est ce que nous lisons ici, c'est l'explication de ce verset-là. This is the explanation of that verse. Alors, la bête qui monte de la mer. The beast coming out of the sea. Rappelez-vous, la première bête montée de l'abîme. Remember, the first beast came from the pit. Et cette fois-ci, la Bible dit que la bête qui montait de la mer. And this time, the Bible says that the beast was coming from the sea. La mer ici, ce n'est pas le eaux de la mer que nous traversons. The sea here is not the one we cross. Mais la mer ici est souvent la représentation. And this
means representation de l'ensemble des nations non juives, of all the non-Jewish nations, dans les nations non juives qui sont endurcies, qui seront endurcies, non-Jewish nations which will harden their hearts. Donc c'est ça qui représente la mer. This is what represents the sea. Alors la troisième bête est décrite dans Apocalypse toujours, chapitre 13, versets 11 à 18. And the third beast is described in the same chapter, Revelation 13, verses 11 to 18. Then I saw another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he talked like a dragon. This beast stands before the first beast and uses the same power that the first beast had. He uses his power to make everyone living on the earth worship the first beast. The first beast was the one that had the death wound that was healed. The second one does great miracles. He even makes fire come down from heaven to earth while people were watching. This second beast fools those who live on the earth. He fools them by the miracles he had been given the power to do. He has these miracles to serve the first beast. The second beast ordered people to make an idol to honor the first beast. This was the one that was wounded by the sword but did not die. The second beast was given power to give life to the idol of the first one. The first idol could speak and order all who did not worship it to be killed. The second animal was forced all people, small and great, rich and poor, free and slave, to have a mark on their right hand or on their forehead. No one could buy or sell without this mark. This mark is the name of the beast or the number of the name. Whoever has understanding can find the meaning of the number. This requires wisdom. This number is the number of a man. This number is 666. Merci, Tabitha. Thank you, Tabs. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Voilà. Donc la bête qui monte de l'abîme, the beast coming from the pit, et montre l'origine de l'enfer de celle-ci. Donc elle vient de l'enfer. She comes from hell. Ce sont les forces infernales. This is the evil powers. Et mais les chercheurs bibliques, the Bible researchers, ils ont cherché à identifier cette bête. They tried to identify the beast. Et les uns disent que c'est Satan lui-même. Some people say it's Satan himself. Et les autres disent que c'est l'incarnation de Satan qui est l'Antichrist. And others say that this is the Satan's incarnation, which is the Antichrist. Ou peut-être un autre personnage diabolique. Or maybe it's another evil person.
De toute façon, anyway, Satan, Antichrist, la bête, the beast, sont tous les ennemis de Christ, are all Christ's enemies, qui lui fera la guerre, who will fight him, et malheureusement à leur propre risque de péril. Unfortunately, they will perish. Dans le chapitre 13 d'Apocalypse, the 13th chapter of Revelation, nous présente deux grandes bêtes. Shows us two great beasts. Dont l'une qui monte de la mer, one rising from the sea, et l'autre qui monte de la terre, and another one rising from the earth, dont la terre aussi symbolise le pays. The earth here symbolizes a city, et particulièrement le pays d'Israël. Particularly Israel. Donc, ces bêtes symboliseraient ou représenteraient des hommes. These beasts will represent a man, qui joueront de rôles importants, who will play important roles, pendant la période de la tribulation. During the period of tribulation. Et ces bêtes représentent, and those beasts represent, les caractéristiques de quatre bêtes, the characteristics of the four beasts, que Daniel avait vu dans la vision, which Daniel saw in his vision. Et c'est là, vous pouvez aller vérifier, c'est dans Daniel 7, verset 3 à 7. You can go and check at home Daniel 7, verses 3 to 7. Et on estime souvent que, and this is what we think, l'appellation bête, the calling beast, the name beast, qui vient de la mer, désigne l'Antichrist, which comes from the sea, represents Antichrist, et que la bête qui vient de la terre, and that the beast coming from the earth, est celle qui est aussi appelée le faux prophète, is the one called false prophets. Donc l'Antichrist, Antichrist, sera une personne, will be a human being, a person, un homme, a man, qui sera une incarnation du diable, and the devil incarnation. Et rappelez-vous que le diable imite toujours Dieu. Remember that the devil always copies God. Pour venir sur la terre, to come on earth, Jésus-Christ était incarné. Jesus Christ was incarnated. Donc Jésus, Dieu, est devenu un homme pour se faire comprendre auprès des hommes. Jesus, who is God, became a man in order to be understood by human beings. Donc voilà aussi, comme je le disais, this is, as I was saying, l'Antichrist sera un homme qui sera l'incarnation du diable. The Antichrist will be a man which will incarnate the devil. L'Antichrist sera le président mondial. The Antichrist will be the world president, ayant autorité sur toute la terre avec ses collaborateurs. Having authority on the earth with his co-workers. Alors, so, pendant que l'armée de l'Antichrist, why is the Antichrist's army, s'avancera pour combattre Jérusalem, will come forward to fight Jerusalem, et c'est à ce moment-là, that's when, où Christ descendra, Christ will come down, avec son église, with his church, avec son armée céleste invincible, with his invincible heaven's army, pour combattre l'Antichrist, to fight the Antichrist, amen, et pour mettre fin à son règne sur la terre, and to put an end to his reign on earth, et qu'il est Jésus-Christ de Nazareth, and that he is Jesus Christ of Nazareth, établisse son règne éternel sur la terre, who will establish his eternal kingdom on the earth. Amen.
Alors, abordons rapidement maintenant. Let's quickly look at la quatrième partie de notre étude, qui est the fourth part of our study, which is la venue de Jésus-Christ sur la terre. The coming of Jesus Christ on earth. Je crois que vous êtes en train de me suivre. I believe you are following me. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Donc, après les noces de l'agneau, after the feast of the Lamb, dont l'Église qui est devenue l'épouse du Christ, the church who has become Christ's bride, l'accompagnera sur la terre, will accompany him on the earth, où le Christ lui-même, where Christ himself, comme je l'ai dit tout à l'heure, as I was saying earlier, viendra combattre l'Antichrist, will come to fight the Antichrist, et mettre fin à son règne, and put an end to his kingdom, et établir son règne éternel sur la terre, and establish his eternal kingdom on the earth. Ça, nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Revelation chapter 19, verses 11 to 21. Then I saw heaven open. There before me was a white horse. The rider on the horse was called Faithful and True. He is right when he judges and makes war. His eyes are like burning fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him, but he is the only one who knows the name. No other person knows the name. He is dressed in a robe dipped in blood. His name is the Word of God. The armies of heaven were following him on the white horses. They were dressed in fine linen, white and clean. A sharp sword comes out of the rider's mouth. He will use this sword to defeat the nations. He will rule them with a scepter of iron. He will crush out the wine and the winepress of the terrible anger of God, all powerful. On his robe and on his leg was written this name, King of Kings and Lord of Lords. Then I saw the angel standing in the sun. The angel called with a loud voice to all the birds flying in the sky, come together for the great feast of God. Come together so that you can come and eat the bodies of kings and generals and famous men. Come to eat the bodies of the horses and their riders and the bodies of all people, free, slave, small and great. Then I saw the beast and the kings of the earth. Their armies were gathered together to make war against the rider on the horse and his army. But the beast was captured and with him the false prophet. This false prophet was the one who did the miracles for the beast. The false prophet had used these miracles to trick those who had the mark of the beast and the idols. The false prophet and the beast were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. Their armies were killed with sword that came out of the mouth of the rider on the horse. All the birds ate the bodies until they were full. Gloire à Dieu. Amen. Apocalypse 19, 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur de chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une paix aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant, tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise
et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Amen. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ, Jesus Christ, anéantira la puissance de l'ennemi. Will destroy the power of the devil. Avant d'installer son royaume éternel sur la terre. Before establishing his eternal kingdom on earth. Amen. Amen. Alors, avant de terminer, before we finish, ouvrons une parenthèse importante. Let's open a very important bracket. En ce qui concerne la marque de la bête. Regarding the mark of the beast. Autour de laquelle. On which il y a une mauvaise interprétation. There is a bad interpretation. Même et surtout parmi les chrétiens. Even amongst Christians. Concernant la période. Regarding the time. Pendant laquelle. During which. La marque de la bête. The mark of the beast. Sera mise sur la droite. Will be stamped on the right. Et sur le front. And on the forehead. Sans laquelle. Without which. On ne pourra ni vendre ni acheter. We will not buy nor sell. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Listen to me carefully, beloved. Nous sommes dans la parole de Dieu. We are in the word of God. Le message circule sur les réseaux sociaux. And there's a message on social networks disant que saying that la puce d'identification, the identification chip qui est déjà en train de se faire, which is already happening or being done, qui est déjà en train d'être injecté, which is already being injected, initié par les Américains. Initiated by Americans. Et les gens disent que cette puce-là serait la marque de la bête. And people are saying that that chip will be the mark of the beast. Un chrétien ne doit pas prêter oreille à n'importe quoi. A Christian must not listen to any nonsense. Bon, mais c'est vrai, les oreilles sont là pour écouter. Yes, true. Our ears are made to listen or to hear. Mais quand nous écoutons quelque chose en tant que chrétiens, but when we hear something as Christians, nous devons retourner dans la Bible qui est la parole de Dieu. We must go back to the Bible, which is the word of God. Pour faire la comparaison, to compare, par rapport à ce que nous écoutons, with regard to what we are listening or hearing, et ce que la Bible nous dit, and what the Bible says, et à la fin, and in the end, notre conclusion serait ce que la Bible nous dit. Amen. We will draw our conclusion from the Bible. Amen. Alors, so, qu'est-ce que la Bible nous dit? What does the Bible say? Concernant la marque de la bête. Regarding the mark of the beast. En quelle période? During what time? Cette marque sera exigée. That mark will be required avant de vendre ou avant d'acheter. Before selling or buying. Je crois que nous avons déjà lu cela. I believe we've already read it. Nous avons lu cela. We read it dans Apocalypse chapitre 13. In Revelation chapter 13. Donc, nous avons lu à partir du verset 11 au verset 18. We read from 11 to 18. Mais nous allons relire seulement à partir du verset 15 à 18. But we're only going to read from 15 to 18. Donc, Apocalypse chapitre 13, nous lisons du verset 15 à 18. Revelation 13, 15 to 18.
The second beast was given power to give life to the idol of the first one. Then the idol could speak to order all those who did not worship and to be killed. The second animal was forced all people, small and great, rich and poor, slave and free, to have a mark on their right hand or on their foreheads. No one could buy or sell without this mark. This mark was the name of the beast or the number of his name. Whoever was understanding, find the meaning of the number. This requires wisdom. This number is the number of a man. His number is 666. Voilà. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût, que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Amen. Alors maintenant, quand nous retournons dans les livres d'Apocalypse, when we go back to the book of Revelation, le trois premiers chapitres d'Apocalypse, the third three chapters of Revelation, nous parle de l'Église, tells us about the church, de la mise en garde de Jésus à son Église. Jesus is warning his church, où Jésus prépare son Église pour ne pas rater le ciel. Where Jesus is getting his church ready in order not to miss heaven. Où Jésus préparait son église pour l'enlèvement. Where Jesus was getting his church ready to be raptured. Alors à partir du quatrième chapitre d'Apocalypse, from the fourth chapter of Revelation, la Bible ne fait plus mention de l'église. The Bible does not mention the church. Donc pour dire que this is to say that la vraie église de Jésus, the true Jesus's church, sera déjà au ciel avec Jésus, will already be in heaven with him. Le Seigneur qui est bon, the Lord in his mercy, qui est miséricordieux, who's merciful, qui est juste, amen, who's right, qui rend à chacun selon ses œuvres, who rewards everyone according to their deeds, ne permettra pas que will not allow ceux qui l'ont reçu comme sauveur et seigneur, that those who received him as Lord and Savior, qui ont fait sa volonté, who did his will, qui ont pratiqué sa parole, who put his word into practice, puissent passer par cette dure épreuve de la tribulation. Go through that great trial of tribulation. Ça ne sera pas une blague, bien-aimé. It will not be a joke, beloved. Ça sera une épreuve dure. It will be a very difficult trial. Voilà pourquoi nous appelons cela la grande tribulation. That's why we call it the great tribulation. C'est comme il n'a jamais eu cela dans ce monde. Like it's never happened before. Dans une crise économique incroyable. There will be a massive economic crisis. Où l'on ne pourra ni vendre ni acheter. Where we won't be able to buy or sell. Sans la marque de la bête. Without the mark of the beast. Et cette crise sera sur le plan mondial. And that crisis will be all over the world. Sous la direction d'un seul gouvernement mondial. Under the leadership of the only world government. Ces choses-là sont en train de se préparer tout doucement. These things are getting prepared step by step. Alors, bien-aimé. So beloved. Si la puce. If the chip. Est déjà la marque de la bête. Is already the mark of the beast. Où est la bête? Where is the beast?
Où est la bête? Where is the beast? Où est l'antichrist? Where is the antichrist? Ne confondez pas. Do not mix up. Avec la parole qui dit. With the word that says. Que l'antichrist est déjà dans le monde. That the antichrist is already on earth in the world. Dans ce contexte-là de la parole, in this context of the word, la Bible ne parle pas, the Bible is not talking about, de l'antichrist, the antichrist, qui sera l'incarnation de Satan, which will be the devil's incarnation. Mais il parle de l'antichrist, but he's talking about the antichrist, dont de ceux qui refusent à croire à Christ. For those who refuse to believe in Christ. Ils sont déjà nombreux dans le monde. There are so many of them all over the world. Donc je disais ceci. This is what I was saying. Si la puce est déjà une marque de la bête. If the chip is already the mark of the beast. Où est la bête? Where is the beast? Où est l'antichrist? Where is the antichrist? Où est le seul gouvernement mondial? Where is the only world government? Et une question que j'aimerais vous poser maintenant. And the question that I'd like to ask you now. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui achète pendant cette période? Is anyone amongst us buying at the moment? Oui ou non? Yes. Yes oui. Or no? Oui ou non? Oui. Yes or no? Vous achetez, yes. N'est-ce pas? We are oui, buying, yes. Are we? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se débrouille à faire de petits business qui est en train de vendre? Is someone trying to have a small business selling things? Oui ou non? Yes or no? Oh, il n'y a pas de business woman and men dans cette assemblée? Was that there? Yes. Il n'y a pas de business woman and men dans cette assemblée, c'est grave ça. Don't we have business women and men in this yes. church? Yes. Il y en a, n'est-ce pas? Yes. Ok, nous, bon, la majorité nous achetons, n'est-ce pas? Most of us do buy, don't we? Et puis la minorité aussi vend, n'est-ce pas? And the minority sells as well. Ok, la dernière question est celle-ci. This is the last question. Avez-vous déjà la marque de la bête? Do you have the mark of the beast already? Sur votre main, sur votre main et sur votre front? No. You have the mark of the beast on your right arm and your forehead? No. Où est-ce que vous achetez ou vous vendez si cette puce-là déjà est la marque de la bête? And where are you selling and buying if that chip is already the mark of the beast? Vous comprenez ma question? You understand my question? Vous comprenez ma question? Yes. Do you understand the question? Yes. Donc, la marque de la bête n'est pas encore donnée. The mark of the beast is not there yet. Et selon la parole, and according to the word of God, cela ne pourra pas se faire tant que l'église de Jésus-Christ n'est pas encore enlevée. That will not be done as long as Christ's church has not been raptured. Jésus ne permettra pas que la vraie église puisse passer par ce moment difficile. Jesus will not let the true church go through these difficult times. Amen. Donc, pour dire ceci, it is to say that la marque de la bête, the mark of the beast, sera suggérée, will be suggested, à ceux qui auront manqué l'enlèvement, to those who will miss the rapture, y compris le faux chrétien, as well as false Christians. Quand je parle de faux chrétiens, when I'm talking about false Christians, ce sont les gens qui ont cru en Jésus comme leur sauveur, it's those who have believed in Jesus as their savior, mais qui n'ont pas cru à Jésus-Christ comme leur maître, comme leur seigneur. But who have not believed in Jesus as their master and lord. Parce que quand on a un maître, on a un seigneur devant lui. Because when you have a master and a lord before you, donc on doit obéir, on doit mettre en pratique les paroles du maître et du Seigneur. We must obey and put the Lord's words into practice and obey them. Donc je le répète. I repeat.
La marque de la bête. The mark of the beast. Sera suggérée. Will be offered. À ceux qui auront manqué l'enlèvement. To those who will miss the rapture. Y compris les chrétiens. Le faux well chrétien, y compris les faux chrétiens. As well as false Christians. Qui auront préféré le plaisir de ce monde. Who will choose the things of this world. Et qui auront refusé à faire la volonté de Dieu. And who will refuse to do God's will. Et qui sont demeurés dans le péché. And who will remain in sins. Rappelons-nous toujours de Matthieu 7, 21. Let's always remember Matthew 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Those who say Lord, Lord. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Will not all enter the kingdom of God. Mais celui-là seul qui fait ma volonté. It's only those who do my will. Pour dire que celui-là qui est celle qui met ma parole en pratique. This is to say that the one who puts my word into practice. 1 Jean chapitre 3. 1 John chapter 3. Versets 6 à 9. Verses 6 to 9. 1 Jean 3, 6 à 9. 1 John chapter 3, verse 6 to 9. So the person who lives in Christ does not go on sinning. If he goes on sinning, he has never really understood Christ and never really knew him. Dear children, do not let any person lead you the wrong way. Christ is righteous. To be like Christ, a person must do what is right. The devil has been sinning since the beginning. Anyone who continues to sin belongs to the devil. The Son of God came for this purpose, to destroy the devil's work. When God makes someone his child, that person does not go on sinning. The new life God gave that person stays in him, so he is not able to go on sinning because he has become a child of God. Voilà. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque transgresse la loi et le péché transgresse la loi et le péché et la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus. Ah, je suis allé lire un peu plus haut. Je commence au verset 6, s'il vous plaît. 1 Jean 3, 6 à 9. I start on the sixth verse. Quiconque demeure en lui, donc en Christ, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Là, je vais ouvrir une parenthèse. I just want to open a bracket here. Quand la Bible dit que celui qui pêche est du diable, when the Bible says that he who sins is of the devil, cela ne veut pas dire que quand tu commets un péché et tu deviens l'appartenance du diable. It doesn't mean that when you commit a sin, you automatically belong to the devil. Donc, quand tu lis la suite de cette partie, tu comprendras ce que ce verset-là aimerait dire. When you read what comes after, you will understand what the verse means. Voilà, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les fils de Dieu à Paris afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? What does this mean? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Whosoever is born of God does not commit sin. Donc cela veut dire que quiconque est né de nouveau ne vit pas dans le péché. It means that anyone born again does not lead a sinful life. Donc pratiquer veut dire mettre en application d'une façon régulière. To put into practice means doing it regularly. Donc, pratiquer veut dire exercer régulièrement une activité.
To practice means doing something on a regular basis. Et c'est ce que nous devons faire attention en tant qu'un chrétien. And this is what we have to be, this is where we have to be careful as children of God. Quand nous vivons dans le péché, bien-aimés. When we lead a sinful life. Et nous ne voulons plus nous repentir. And we don't want to repent. Bien-aimés, je vous assure que le ciel nous sera fermé. Beloved, let me reassure you that heavens will be closed to us. Peut-être jusqu'à ce jour, bien-aimés. Maybe up to now, beloved. Tu voles pour bien t'habiller. You steal in order to dress well. Tu mens pour avoir de l'argent. You lie in order to obtain money. Tu mens pour être bien présenté, de faire, de jouir, d'être dans l'orgueil. You lie in order to look well, to live in pride. Mais la Bible est claire, bien-aimé. But the Bible is clear here, beloved. 1 Timothée 6, 10, à la Bible nous dit ceci. 1 Timothée, chapter 6, verse 10, A says, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. For the love of money is the root of all evil. Et en ce qui concerne l'orgueil, la Bible nous dit ceci. Regarding pride, this is what the Bible tells us. Jacques chapitre 4, 6b. James chapter 4, 6b. C'est pourquoi l'Écriture dit. That's why the Scripture says. Dieu résiste aux orgueilleux. God resists pride. Mais il fait grâce aux humbles. And have mercy on those who humble themselves. Quelqu'un qui ne veut pas se repentir, c'est un orgueilleux. Someone who does not want to repent is a pride person. Dieu s'oppose aux orgueilleux. God opposes pride. Dieu tourne le dos aux orgueilleux. God turns his back on those who are pride. Et Dieu n'exauce pas les prières des orgueilleux. And God do not answer a pride person's prayer. Dieu n'exauce pas les prières de voleurs. God does not answer thief prayers. Dieu n'exauce pas les prières de menteurs. God does not answer liar's prayers. Des impudiques. Sexual immoralities. Des adultères. Adulterers. De fraudeurs. Fraudsters. Dieu n'exauce pas les prières des idolâtres. God does not answer prayer of those who worship idols. Et nous l'avons dit, nous le dirons toujours. We've said it and we will always say it. Que un idolâtre, a person who worships idols, c'est quelqu'un, is somebody, qui aime quelque chose, who loves something, ou qui aime même une personne, or who loves even somebody, plus que Dieu. More than God. C'est cela un des sens de mot idolâtrie dans la Bible. This is what idolatry means in the Bible. Et la Bible nous dit. And the Bible says. Que la catégorie de toutes ces personnes. This the category of all those people. Aucun d'eux n'entrera dans le royaume des cieux. None of them will inherit the kingdom of God. Comme cela est dit dans Matthieu 7, 21. As it is said in Matthew 7, 21. Et dans Apocalypse 21, 8. And Revelation 21, 8. Bien-aimés. Beloved. Le Seigneur revient bientôt. The Lord is coming back very soon. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Nobody knows the day nor the time. Mais est-il que le Seigneur revient très bientôt? But the Lord is coming back very soon. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Let's not take the word of God for granted. Le ciel est une réalité. Heaven is true. Et l'enfer aussi est une réalité. And so is hell. Et comme la parole de Dieu le dit, bien-aimé. As the word of God says, beloved. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Today is the day of salvation. Et quand tu entends la parole de Dieu. And when you hear the word of God. N'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. If you have not receive Jesus Christ yet. Le point de départ serait de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur d'abord.
The first step is to receive Jesus as your Savior, first of all. Et ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. And it's not the destination, but it is the departure. Mais si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, if you have received Jesus as your Savior, et que tu vis dans le péché, and you lead a sinful life, c'est que ce Jésus-là n'est pas encore ton maître ni ton Seigneur. That means that Jesus is not your master and savior yet. Et tu dois te repentir, bien-aimé. And you must repent, beloved. Tu dois changer de vie. You must change your, the way of life. Tu dois abandonner le péché. You must give up sins. Pour ne pas rater l'enlèvement. So that you do not miss rapture. Regarde un peu, bien-aimé. Just have a look, beloved. Peut-être tu vis encore dans le péché. Maybe you're still living in sins. Parce que ce péché-là te semble profitable. Because you are benefiting from that sin. Mais ce qui va arriver pendant la grande tribulation. But what will happen during the great tribulation? C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé depuis que le monde monde. It's something that has never happened since the beginning of the world. Est-ce que tu tiendras le coup pendant la tribulation? Will you stand that? Et tu garderas ta foi, tu donneras ta vie à Jésus pendant la tribulation. Will you keep your faith? Will you give your life to Jesus during tribulation? Et accepter la mort à cause de Jésus. Will you be ready to die for Jesus? Ou peut-être tu feras le choix d'avoir la marque de la bête. Or maybe you'll opt to have the mark of the beast. Qui est l'appartenance au diable. Which makes you belong to the devil. Afin d'acheter ou peut-être de vendre. In order to buy or sell. Une chose est vraie, bien-aimée. One thing is true, true, beloved. Si tu rates le ciel, if you miss heaven, tu ne rateras pas l'enfer. You will never miss hell. Soit le ciel ou l'enfer. Either heaven or hell. Il n'y aura pas un endroit où on pourra fuir. There'll be nowhere to run. Bien-aimée, la parole de Dieu dit, beloved, the word of God says, que pendant la tribulation, during tribulation, les gens préféraient même la mort. People would rather die. Ils diront que les pierres tombent sur nous que nous mourons. They would just wish rocks to fall on them in order for them to die. Et ils ne mourront pas de cette façon-là. And that's not how they will die. Et je mérite de rappeler que Jésus t'aime. I'd like to remind you that Jesus loves you. Et renouvelle ton intelligence, bien-aimé. Renew your wisdom. Ne sois pas ami du monde. Don't love the world. Parce que ma Bible me dit. Because my Bible says. Que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Whosoever loves the world hates God. Tu as un choix à faire. You have a choice to make. Et le dernier verset avant de clôturer. And the last verse before we finish. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. C'est juste pour confirmer ce que je venais de dire en ce qui concerne l'amour du monde. This is to confirm what I just said about the love of the world. Do you not love the world or the things of the world? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. These are the evil things in the world, wanting things to please our sinful selves, wanting the sinful things we see, being too proud of the things we have, but none of those things comes from the Father. All of them come from the world. The world is passing away, and everything that people want in the world is passing away. But the person who does what God wants lives forever. Amen. 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 N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne pointe en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est là où nous allons nous arrêter.
This is where we finish. Mais je vais prier pour quelqu'un avant de terminer. I'd like to pray for somebody before I finish. Incline-toi dans la prière, bien-aimé. Bow your head in prayer, beloved. Ne sois pas distrait. Do not be distracted. L'un des rôles du Saint-Esprit en nous. One of the Holy Spirit's work in us. C'est de nous convaincre du péché. Is to convince us of sins. Nous parlons de la repentance. We're talking about repentance. Et c'est le message clé de la parole de Dieu de la Bible. And this is the key message of the Word of God. Peut-être tu es en train de combattre, de te battre entre le mal et le bien. Maybe you are wrestling between evil and good. La prière est celle. Only prayer ne suffirait pas. Prayer alone will not be enough. Mais la décision d'abandonner le mal. But the decision to give up evil. Et c'est cela qui te donnera la victoire dans la vie chrétienne. Is what will give you victory in your Christian life. Incline-toi dans la prière. Bow your head in prayer. Et permettez au Saint-Esprit de continuer à te tourmenter à cet instant si tu vis encore dans un quelconque péché. And let the Holy Spirit torment your heart if you are still living in a sin. Je vais chanter un cantique qui me vient à cœur. I will sing a song coming to heart. Et tu restes concentré dans la présence du Seigneur. And stay focused in the presence of the Lord. Ne chantez pas, mais laisse-moi chanter. Do not sing, but let me sing. Tambola na mokili oyebaka, nkolo amoni yo. Tambola na mokili oyebaka, nkolo amoni yo. Tambola na mokili oyebaka, nkolo amoni yo. Liso na nzambe elalaka te. Yo moto na lokuta oyebaka, nkolo amoni yo. Yo moto na lolendo oyebaka, nkolo amoni yo. Yo moto na moyibi oyebaka, nkolo amoni yo. Liso na nzambe ezase na yo. Yo moto na matongi oyebaka, nkolo amoni yo. Yo moto na ekobo oyebaka, nkolo amoni yo. Yo moto na ekobo oyebaka, nkolo amoni yo. Liso na nzambe ezase na yo. Où ferai-je loin de ta face? Where can I go from your presence? On ne peut pas fuir loin de Dieu. We cannot flee from God. Partout où nous nous cachons pour commettre le péché, Dieu est là, il nous voit. Wherever we hide to commit a sin, God is there to see us. Il nous appelle à abandonner ce péché. And he's calling us to give up that sin. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. We are here to help one another. Et nous sommes là pour t'aider. And we are here to help you. Pour te montrer la meilleure stratégie de l'abandon de ce péché. To show you the best strategy to give up that sin. Ah, peut-être tu cherches à gonfler tes comptes bancaires. Maybe you are trying to fill up your accounts. Dans la magouille, dans la fraude et dans le mensonge. In lies and fraudsters. Et Dieu te voit. And God can see you. Dieu te voit. God can see you. Et tu peux vivre sans la vie de péché. You can live without a sinful life. Et c'est possible de vivre une vie de sanctification, de sainteté. It is possible to lead a holy and sanctified life. Et cela est possible si nous avons vraiment les désirs. It is possible if we are willing. Et le Saint-Esprit pourra nous aider. And the Holy Spirit can help us. Demain ne nous appartient pas. Tomorrow does not belong to us. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. We don't know what tomorrow will be made of. Et c'est aujourd'hui que nous devons prendre la décision. But we must decide today. Et d'appliquer la décision que nous prenons. We must decide today and put the decision we make into practice. En mettant la parole de Dieu en pratique. By putting the word of God into practice. L'amour de l'argent, bien-aimé.
The love of money, beloved. L'adultère, le mensonge, bien-aimé. Adultery, lies, beloved. La fraude, bien-aimé. Fraudster, beloved. C'est parmi le péché dans lequel certains chrétiens vivent. These are the sins in which so many Christians. Le fameux sel, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cela. I don't know why I keep insisting on single mothers. Je ne suis pas derrière vous pour savoir qui est femme, celle qui ne l'est pas. Je ne sais rien. I don't know who is and who isn't. Mais je vous en supplie, bien-aimé. But I beg you, beloved. Si c'est ça votre cas, repentez-vous. If that's your case, please repent. N'allez pas en enfer à cause de l'argent. Do not go to hell because of the money. Repentez-vous, bien-aimé. Repent, beloved. Et nous sommes là pour vous aider. And we are here to help you. Ce n'est pas le seul péché. It's not the only sin. Mais le péché. But sin. C'est s'opposer contre la volonté de Dieu. Is going against God's will. Père, je veux te bénir. Father, I want to bless you. Je veux te rendre grâce. I want to give you gloire et honneur. And honor. Dans le nom précieux. In the precious name. De mon Seigneur et Sauveur. Of my Lord and Savior. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Dieu, je bénis ce peuple qui m'a écouté. I want to bless these people who heard me. Et c'est de ta part que je parle, Seigneur. And I'm speaking on your behalf, Lord. Oh, je prie que Père. I pray, Father. Le Saint-Esprit ne laisse pas quelqu'un tranquille. That the Holy Spirit should not leave them alone. Quelqu'un qui vit encore dans le péché, bien-aimé. Somebody who is still living in sins, beloved. Oh, que ton Saint-Esprit, Seigneur, tourmente cette personne. May your Holy Spirit torment them. Que le Saint-Esprit apporte la conviction du péché. May the Holy Spirit convince them of their sins. Afin que l'on parvienne à la repentance. So that they should repent. Je prends autorité. I take authority. Contre tout esprit d'endurcissement. Against any spirit of hardening. Tout esprit d'endurcissement. Any spirit of hardening of heart. Tout esprit de rébellion contre la parole de Dieu. Every spirit of rebellion against the word of God. J'ordonne à tous ces esprits. I order all those spirits. De quitter toute personne qui entend ma voix maintenant. To get away, get out of every person listening to me right now. Au nom puissant et merveilleux de Jésus de Nazareth. In the powerful and wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Et je brise toutes les chaînes. And I break every chain. Je brise tous les liens héréditaires. I break every hereditary bondage. Qui tient encore les enfants de Dieu dans la captivité. Holding children of God in captivity. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Père, merci pour ce peuple. Thank you, Father, for these people. Pour cette parole. Thank you for this word. Qui est en train de brûler dans le cœur de quelqu'un. Which is burning somebody's heart. Et qui la met en pratique, oh mon Dieu. So that they should put it into practice, God. Nous te bénissons, Seigneur. We bless you, Lord. Nous te remercions à cause de ton sang que tu avais versé. We thank you for your blood that was shed. Pour effacer nos péchés. To take away our sins. Et pour nous donner le pouvoir sur le péché. And to give us power over sins. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. And in your name, Jesus, that we have prayed. Amen. 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 Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Merci, pasteur.